On est à Sainte-Savine, rue du Chapeau Rouge, sur un des 4 centraux télécoms d'Orange sur l'agglomération. Aujourd'hui, c'est ce qui permet à Orange d'entretenir le réseau cuivre, fibre et en plus le réseau mobile pour un des sites mobiles d'Orange. Là, on doit faire en déploiant 5 ans l'équivalent de ce que l'on a fait en 15 ans sur le cuivre et l'équivalent de ce qu'a fait en 40 ans le réseau électrique pour se déployer. Donc c'est vrai que c'est des délais très courts. Avec aujourd'hui une demande très forte qui est accentuée par les entreprises certes, mais qui est accentuée aussi par les administrés. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir du très haut débit chez soi, qu'il soit fixe ou mobile, qu'il soit à Troyes ou à Aix-en-Othe ou à La Grange, voilà, ou à Trane, quel que soit son lieu d'habitation, principal ou secondaire, on exige d'avoir du haut débit partout. On est dans une période de décommissionnement du cuivre. Le Premier ministre l'a aussi annoncé avec le régulateur qui est l'ARCEP, l'a fait en début d'année, Premier ministre Castex. Donc du coup, on est effectivement sur un décommissionnement du cuivre jusqu'à voilà qui s'acheminera pour 2030. Alors aujourd'hui, les étapes, on est vraiment en phase de pilote dans les Ardennes. C'est 4 communes dans les Ardennes sur lesquelles on teste justement ce décommissionnement. C'est pas anodin. C'est une synchronisation, un pilotage entre un régulateur, un opérateur d'infrastructure Orange qui a la gestion du cuivre, des fournisseurs d'accès à Internet qui doivent aussi accompagner leurs clients du cuivre à la fibre et aussi les collectivités qui sont un partenaire essentiel puisque aujourd'hui, voilà, 2030, pour l'atteindre, il faut que l'ensemble de ces partenaires travaillent ensemble.